Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, je voulais te présenter la grande kermesse de Noël qui va avoir lieu les 11 et 12 novembre, donc ce week-end prochain qui s'en vient très, très vite. Et ça se déroule au complexe culturel Félix Leclerc à La Tuque. Alors, je ne sais pas si vous n'avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à cet événement-là. Alors, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous connaissez l'événement, si vous y êtes déjà allé. Et moi, c'est sûr que je vais lire votre commentaire en direct ou en rediffusion parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont l'écouter en rediffusion. Alors, c'est le plus grand marché de Noël qui a lieu en Haute-Mauricie. L'entrée est gratuite et ce matin, je suis très, très, très chanceuse parce que je suis accompagnée de Bruno Quentin. Allô, Bruno. Salut Andrea, bonjour tout le monde. Et Bruno, écoute, j'aimerais ça que tu prennes quelques minutes pour te présenter, pour qu'on sache un peu c'est quoi ton rôle au sein de l'événement et au sein du complexe culturel. Ben, d'abord, je suis adjointe direction et communication ici même au complexe culturel Félix Leclerc à La Tuque. Et puis ça va vite le temps. Hein? Ça va déjà faire 5 ans que je suis à l'emploi. Et puis au début, j'étais chargée de projet. Je m'occupais de divers projets, dont la kermesse, qui est un de mes premiers projets que j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler ici en 2019. Cette année, la grande kermesse de Noël, on va être à la 4e édition. On a sauté une année, en fait, à cause de la COVID, mais cette année, on devient plus gros que jamais. Mais sinon, à l'intérieur du complexe, je m'occupe de plusieurs choses, notamment la programmation de spectacle, parce qu'on est une salle de spectacle, un diffuseur ici même dans la belle région de La Tuque, en Haute-Mauricie. Voilà, on a la vie culturelle et sociale du Haut Saint-Maurice. Mais de toute façon, tu connais le complexe culturel, Oui, toi? très très bien. Très très bien, même au secondaire, on faisait nos spectacles aussi de musique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est allé à la même école secondaire, on se connaît quand même Ah oh, oui, ça c'est certain. un peu. Et justement, pour cet événement-là qui va avoir lieu, parce que c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'est le plus gros marché de Noël qu'il y a justement dans la Haute-Mauricie. Alors, c'est quoi qu'on peut y retrouver? En fait, la grande kermesse de Noël, je te dirais que c'est comme je te dis, comme tu as dit, un grand marché de Noël. C'est là que tu retrouves plusieurs artisans qui vendent divers produits. J'en ai qui font des savons, j'en ai qui vendent des livres, j'en ai qui vendent des crayons, j'en ai qui font des crèmes pour la peau, j'en ai qui font du macramé, j'en ai qui font des lavettes à vaisselle, des pantoufles, du tricot, j'en ai qui font du vitrail, j'en ai qui font des produits de l'érable, des confitures, bref. C'est tout très varié, comme tu peux voir. Donc, j'ai plus d'une cinquantaine d'artisans qui seront présents ce week-end, le 11 et 12 novembre, au complexe culturel, pour offrir leurs produits à la population. Pourquoi on dit que c'est le plus grand marché de Noël en Haute-Mauricie? C'est parce que c'est le seul qu'il y a dans la grande région de La Tuque. On connaît les grands marchés de Noël. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a même à Shawinigan, il y a Trois-Rivières dans la grande région, mais à La Tuque. Vu qu'on est sur une région un petit peu plus isolée, il faut qu'on fasse toujours de la route pour accéder à ce genre d'événement-là. Et là, l'événement va se faire chez nous, puis c'est pour ça que c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, c'est la première année qu'on a plus de 50 artisans, on grossit d'année en année. Mon équipe et moi, l'équipe du complexe culturel et moi-même, on est très heureux. D'ailleurs, la Grande Kermesse est faite en collaboration avec le Toit de l'Amitié. Le Toit de l'Amitié, c'est un organisme ici à La Tuque qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Ça sert, l'événement sert de moyen de financement pour elles, pour cette maison d'aide et d'hébergement. Et puis, ben, en même temps, on aide la bonne cause, puis en même temps, c'est un beau but de rassemblement. Vous allez voir. Oui, je suis contente que tu en parles justement parce que sinon je t'aurais questionné là-dessus parce que il y a des fonds amassés dans cet événement-là qui va aller Oui. justement pour cet organisme-là qui est quand même très important. On s'entend la violence conjugale faite aux femmes. C'est Alors, sûr. c'est super intéressant parce que dans le fond, on participe à encourager des artisans, mais on encourage aussi un organisme dans cet événement-là. L'idée de la grande kermesse de Noël vient d'abord et avant tout du fait que à La Tuque, avant, il y avait la kermesse des filles d'Isabelle. OK. Elles ont arrêté de faire l'événement. Nous, le complexe culturel, on s'est dit, parce que ça rentre dans notre mission de promouvoir les arts, la culture et tout ce qui touche. Touche le domaine artistique, si on veut, et puis un artisan qui crée de ses mains des objets, c'est artistique, c'est des entrepreneurs également. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'on a trouvé une opportunité de pouvoir faire un événement similaire, mais à grand déploiement. De son côté, le Toit de l'Amitié a eu la même idée de reprendre le flambeau des filles d'Isabelle. On a eu la même idée les deux, on s'est comme unis et on a créé la grande kermesse de Noël. Oui, et c'est quand même Partie populaire de parce qu'il y a l'événement. même des gens de l'extérieur qui viennent Oui!
à la grande kermesse à la Tulipe, là, qui font la route et qui viennent nous voir. Donc, et il y a même des gens de Montréal là, qui viennent. Donc, c'est quand Il y a des gens de Montréal, il y a des gens de Saint-Boniface, il y a des gens de Québec et je crois qu'il y a quelqu'un de la région. Oui, effectivement. Oui. J'essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a cette année et puis c'est un peu dans les mêmes zones, on dirait. Oui, c'est vraiment intéressant. Et il faut dire aussi, même pour les activités, il y a des activités à l'extérieur, hein? Qui, dans oui, cette ben, on a encore une fois un foyer qui va être installé à l'extérieur. Et puis, nouveauté cette année, il va y avoir une cabane à sucre à l'extérieur. Oui. Donc, de la tire sur la neige. On ferait également un beau, j'aime pas le mot setup, mais il va y avoir un bel emplacement juste pour eux. Oui. Donc, j'ai très hâte de les voir, en fait, parce que là, on se change les courriels, on se parle par téléphone, mais là, ça va se faire pour vrai. En plus, c'est une idée de l'an dernier, parce que pour les manuscrits, pour le pas nommé, ils étaient présents l'année passée comme exposants. Okay. Et ils se sont dit, on va être encore là l'année prochaine, mais en plus, on aimerait ça offrir ça. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est possible. Donc, cette année, exactement, c'est une petite nouveauté. L'année passée, on a fait le chocolat chaud dehors. Cette année, c'est ça. Okay. Et, l'extérieur va être animé, mais l'intérieur aussi, parce qu'il va y avoir des artistes locaux qui vont faire des prestations musicales live sur la scène de l'espace Carole Guérin. Ça, c'est une des deux salles dans lesquelles il va y avoir la grande kermesse. Et voilà. Donc, donc, il va y avoir aussi de l'ambiance. Des spectacles. Oui, il va y avoir de l'ambiance. Des groupes musicaux, parfait. Il y a aussi des surprises, hein? Vous n'avez pas trop parlé, mais il y a des surprises, normalement. Ben, les surprises, je te dirais que c'est pas mal la musique. Okay. Les surprises aussi, c'est le fait qu'il va y avoir une cabane à sucre à l'extérieur. Okay. Donc, c'est plutôt une surprise, parce que là, on peut en parler. D'accord. Ben, quand même, des fois, moi, j'avais été surprise. Là. Il y avait des fois des petits tirages. Là. Il y avait une boule, je ne sais pas trop l'année passée, s'il y a encore ça cette année, mais j'avais vraiment... En fait, là, je te dirais que chaque kiosque qui est présent peut organiser ou non des concours, okay. des tirages de leurs produits. Donc, oui, ça crée de l'ambiance parce que c'est une kermesse, c'est ça aussi à la base. C'est un peu comme l'ambiance de fête foraine. C'est, on s'amuse, on fait des jeux. Comme par exemple, un des moyens de financement de l'amitié, c'est un sapin de Noël. Pour 2$, exemple, tu piges un numéro, puis le numéro, tu gagnes un prix automatique. Puis okay. ça va de tout. C'est varié. Ça peut être une toile, ça peut être un livre, ça peut être un album, ça peut être un bon d'achat. Il y a plusieurs choses. Donc, c'est pas juste une. C'est presque une grande fête. Oui. Et justement, on va parler un peu des artisans. Dans le fond, il va y avoir plein d'artisans. Tu l'as dit, 51. Écoute, vous êtes plein, là, on s'entend. Là, c'était 52 artisans maximum. Donc là, on est vraiment plein. Vous êtes plein, en tout cas, cette année, là, quasiment. Ben, on est tellement plein que j'ai réorganisé comment les tables vont être placées dans la grande salle pour peut-être justement en ajouter plus pour les années à venir. OK. Donc, c'est un des plus gros événements qu'on a présentement au contexte culturel. Puis, on travaille fort. On travaille fort. Et pour ceux qui voudraient voir la liste des exposants, j'ai laissé l'adresse du site de la kermesse. Alors, tous les exposants sont affichés. Pour ma part, je vais prendre quelques minutes pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut trouver à mon kiosque. Ben oui, parce que tu vas être présente pour la deuxième année consécutive. Oui, pour la deuxième année consécutive. Donc, j'ai hâte de voir, hein, parce que, tu sais, comme tu dis, des fois, d'année en année, ça change, on ajoute des nouveautés. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais l'année passée, comment tu avais trouvé l'expérience? Je m'excuse, c'est moi qui te pose des questions. Là. Oui. Ben, écoute, l'année passée, j'avais vraiment aimé ça, c'est ça, j'aimais aussi même l'emplacement où j'étais, donc j'ai hâte de voir cette année, mais j'avais vraiment aimé ça parce que, écoute, les gens ont vraiment à cœur en plus de venir encourager les artisans, moi c'est ça que j'avais beaucoup apprécié, c'est sûr qu'on s'entend, je suis native de la Tuque, donc c'est peut-être un plus, et ma famille vit encore tout cela là, quand même à la Tuque, donc tu sais, c'est un gros plus parce que moi je revois en plus des gens que je connais, donc ça crée vraiment des beaux moments d'échange, c'est vraiment intéressant pour ça, veux pas, là, ça l'amène une belle petite nostalgie, ça l'amène des échanges très chaleureux, mais j'ai quand même beaucoup de monde aussi qui sont intéressés par des produits. On voit que les gens ils veulent encourager les artisans parce que acheter un livre en librairie puis acheter, parce que moi je vends des livres, acheter un livre en librairie et acheter un livre à l'artisan, c'est vraiment pas la même chose. Les profits vont directement à l'artisan, tandis que l'autre, ben, comme moi en librairie, ben, ça passe par la librairie, la maison d'édition et ça prend des mois avant qu'on ramasse quelques sous. Donc, ça n'a pas du tout le même impact financier au niveau de la personne qui crée des produits et c'est comme ça pour tous les artisans quand les gens circulent et viennent les encourager.
Donc, j'ai trouvé que la participation des gens, c'est ça, était vraiment énorme. Il y avait beaucoup de monde le samedi. Le dimanche matin, c'est sûr, hein, là-dessus qu'on me l'avait dit. Hein, puis, je sais, je veux pas, je viens de là. Et comme je dis, toute ma famille est encore là, ça brunch. Donc là, ça avait été plus tranquille. Mais dans l'après-midi, il y avait eu quand même très grand achalandage. Il y a quand même beaucoup de gens. L'année passée, il y a plus de 1500 personnes qui sont passées, qui ont passé les portes du complexe culturel. Ah, oui, puis il y en a même le dimanche qui revenaient. Oui. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Le dimanche, il y en a beaucoup qui revenaient. Ils m'ont dit, hey, les enfants, ils aimaient tellement ça qu'ils ont voulu revenir. Ils ont voulu revenir voir. C'est ça, les petits jeux. Puis bref, puis il y en a tellement à voir. Là. Même moi, j'avais fait le tour de quelques artisans, puis j'ai pas eu le temps de tout faire et participer à tout parce que, comme tu dis, bon, ben, chaque artisan aussi des petits concours, ils ont des surprises. Donc, tu sais, le temps de faire le tour de tout le monde, là, c'est sûr que ça se peut que ça vous prenne 2 jours pour certaines personnes. Tu le dis, hein, c'est des rencontres. Oui. Tu n'es pas juste là pour regarder, magasiner. Tu achètes aussi, tu vois des gens, tu rencontres, tu parles aux gens. Parce que ces gens-là, ils sont comme n'importe qui, c'est des entrepreneurs, ils font ça. C'est un différent type d'entrepreneuriat aussi, parce qu'il y en a qui font ça juste pour le plaisir. Oui. Il y en a, c'est le job à temps plein, mais il y en a d'autres que c'est juste pour le plaisir, rencontrer du monde, c'est une activité sociale, c'est une activité juste pour ça. Donc, en même temps, ça fait comme un petit plus, un événement pour pouvoir voir des gens, pour rencontrer les gens et leur montrer le fruit du travail qu'ils accomplissent durant toute l'année. Parce qu'il y a des gens qui se préparent depuis très longtemps pour pouvoir avoir autant de matériel à offrir pendant la grande kermesse de Noël. Ah oui, puis même moi, je planifie mes sorties de livres idéalement, c'est ça, septembre, pour être sûr que je sois capable de les avoir pour mes salons. Donc, oui, c'est comme tu dis, là, il y en a qui font ça pour le plaisir, mais même si tu fais ça pour le plaisir, il faut peut-être du matériel. Donc, ça demande beaucoup de préparation. Puis même encore à dernière minute, on vient d'en faire cette semaine, nous aussi, pour être sûr, c'est d'avoir assez d'articles, avoir assez de choses. Donc, on est tout le temps en préparation. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages là, pour tout le monde. Même si on est chanceux de t'avoir, moi, je suis chanceuse, en tout cas, de t'avoir en live aujourd'hui, parce que même pour toi, je sais que c'est plaisir, d'ouvrages. Et t'es surchargé en ce moment parce qu'on est à 3 jours avant l'événement. J'ai encore beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et à mon kiosque, justement, pour ceux qui achètent un livre comparé aussi en librairie, par exemple, ben là, ils reçoivent une petite surprise. Ils reçoivent même un beau sac de Noël. Et on parle quand même d'un grand sac de Noël. Ceux qui vont venir me voir, il y a, bon, les autres produits dérivés par rapport à mes livres. Il y a aussi la chance d'avoir un coupon rabais de 60 $ pour mes cours d'orthographe qui vont commencer l'année... Ben, pour la session d'hiver qui commence l'année prochaine, mais les inscriptions commencent en décembre. Aussi, on offre cette année une nouveauté à mon kiosque, des bracelets que tu peux personnaliser. Donc, tu vas pouvoir venir faire écrire ton nom. Bref, tu choisis 10 caractères. Il y en a qui vont pouvoir écrire même « best mom »,« best dad » pour donner à leurs parents. Alors, ça fait des beaux cadeaux de Noël. Même, tu peux ajouter une breloque pour seulement 3 $. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est ma fille qui aime ça, créer des bracelets. Alors, on a mis ça tous ensemble à mon kiosque pour offrir encore plus, justement, de produits aux gens. Et justement, cette semaine, elle s'est dépêchée à faire d'autres bracelets pour qu'on arrive avec une belle quantité. Alors, vraiment, là, comme Bruno l'a dit, venez faire un tour. Moi, j'offre même des coloriages gratuits avec les personnages de mes livres. Donc, les enfants ont la possibilité de colorier les personnages et même, ils peuvent participer à un concours pour gagner un ensemble de tatouages gratuits. Donc, vraiment, là, c'est très, très intéressant. Comme je dis, ça, c'est ce qu'on trouve à mon kiosque, mais on trouve plein d'affaires intéressantes aussi aux autres kiosques. Et comme j'ai dit, eux autres aussi vont inclure des petits concours, des petites surprises. Alors, il faut vraiment faire le tour, se promener, et ça se déroule quand même sur 2 étages. Alors, il y en a beaucoup à voir. Là. Il y a beaucoup de variétés. En général, ce qui est bien, justement, comme j'ai vu l'année passée, c'est qu'il y a tellement de variétés qu'en général, tout le monde trouve son compte. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a des salons, des fois, quand tu as seulement une 20aine d'artisans, ça se peut que tu dises, ah, et on s'entend, des fois, la sélection peut arriver qu'il y a 3 artisans qui vendent le même produit. Mais là, tu arrives, tu dis, ah, ben, ça, peut-être, ça me parlait moins, mais à 50 artisans, là, c'est sûr que vous allez trouver. Moi, je peux vous dire qu'il y a des artisans variés, il y en a pour tous les budgets aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a différents types d'éléments que vous allez pouvoir trouver là. Et puis, c'est un beau début pour se mettre dans l'ambiance dans les fêtes. L'Halloween est passé, on est au mois de novembre, c'est un peu plus gris, un peu plus maussade à l'extérieur. Là, on est dans les décorations de Noël, on est dans l'ambiance de Noël. Il va y avoir du sucre à la crème, il va y avoir des petites gâteries en vente un peu partout.
Donc, c'est vraiment un événement festif pour se rassembler, tu le dis, rencontrer des gens, rencontrer des entrepreneurs, commencer ses achats de Noël et puis contribuer aussi à l'achat local. Donc, parce qu'on contribue à des gens de la TUC principalement, oui, il y a des gens de l'extérieur, mais la très grande majorité des artisans, c'est des gens d'ici. Donc, j'invite tous les gens à venir à la TUC au complexe culturel ce week-end. Et puis, si vous n'êtes pas de la région, mais prenez la route. Est belle la route, et puis vous allez pouvoir passer un très bel événement ici même, d'autant plus que c'est gratuit. Et le stationnement aussi est gratuit. C'est un facteur très important, ça, que souvent les grandes villes négligent, mais ici, non, on dit. Je te jure, pour faire quand même des salons un peu partout, là, et j'en fais aussi dans les grandes villes, j'en fais dans les petites régions. Et oui, en effet, c'est un facteur là, qui peut même freiner certaines familles, surtout quand tu as beaucoup d'enfants, là, quand on paye une entrée, quand on paye en plus un stationnement, là, c'est vraiment là, tu sais, ça, c'est parce que là, ça, veut pas, ça diminue ton coût d'achat aussi pour encourager les artisans. Alors, c'est sûr que tu fais bien de le mentionner que c'est gratuit l'entrée et le stationnement. C'est ça. Donc, puis, si jamais vos enfants sont tannés d'être debout puis de marcher, ben, vous irez prendre un petit verre, un petit jujube, un petit bonbon au bar de l'espace Carole Guérin et regarder le spectacle musical. Donc, y en a pour tous les goûts. Oui, c'est ce qu'on disait, une belle, belle, belle variété. Et écoute, peux-tu mentionner c'est quoi les heures d'ouverture pour le samedi et pour le dimanche? Ce samedi 11 novembre, les portes du complexe culturel vont être ouvertes à compter de 10h jusqu'à 16h. Le lendemain, le dimanche 12 novembre, ça va être ouvert de 10h à 15h dans l'après-midi. Donc, j'invite tout le monde à venir en grand nombre. Oui, alors c'est une excellente occasion de venir préparer vos cadeaux de Noël. C'est une excellente occasion d'encourager les artistes locaux. C'est une excellente occasion d'encourager l'organisme Le Toit de l'Amitié. Si vous avez manqué le live au début, vous le réécouterez. On expliquait que c'est un organisme qui aide les femmes victimes de violences conjugales. Et c'est une belle occasion de faire rayonner une belle communauté parce que la TUC, c'est une belle communauté qui se tient. C'est une communauté, comme tu dis, qui quand même rayonne aussi même à l'extérieur. On a beaucoup même d'artistes qui viennent durant les étés, qui ont des chalets aussi dans la région. Alors, c'est une belle occasion de faire rayonner la région de la Haute-Mauricie. En effet. Donc, En effet. je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, à part que toi aussi sois être présente. Donc, si les gens veulent te voir, ils peuvent aller là. Parfait. Alors, sur ce, on vous souhaite un beau week-end. On vous souhaite de venir à la grande kermesse de la TUC et pour aujourd'hui, on vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui sont en France ou une belle journée pour ceux qui sont au Québec. Bonne Bye. journée à tous et à bientôt.